Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien-aimés sœurs et frères, nous voici une fois de plus prêts à vous livrer votre émission favorite, votre émission préférée, Jésus sauve aujourd'hui. Nous voulons croire que jusqu'à maintenant, Seigneur a continué à visiter vous. Nous voulons croire que bon Dieu fait grâce et que je dis encore au recevoir toute bénédiction, tout bienfait que Seigneur a réservé à chaque petit lit. Et c'est pour cela que dans le ministère personnel, au niveau de la Fédération Centrale, nous nous empressons de souhaiter à chacun de vous de recevoir la paix et la grâce de Dieu. Je dis encore, nous portons un petit causé pour vous dans la caillou. Je dis encore, nous portons une bonne nouvelle, parce que nous connaissons que vous remet bonne nouvelle, au besoin bonne nouvelle. Ouvrez cœur, je dis encore, pour recevoir parole bon Dieu, ce sera un mot d'exhortation, un mot de réconfort, un mot d'espérance. Parce que Dieu nous visite aujourd'hui encore, parce qu'il nous a fait grâce, parce qu'il nous a bénis. Ouvrons nos cœurs pour le remercier, pour le louer, en disant ensemble, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bienvenue et bonne participation au programme du jour. Avant que nous allions dans la Bible, pour nous présenter le mot de Dieu, une fois de plus, passer un petit moment dans louange, dans adoration, avec notre artiste, notre grand ami, frère Oda Desrosiers. Appréciez. Seigneur, moi, quoi, c'est bon Dieu. Oui, moi, quoi, après moi, quoi, où t'es. Seigneur, moi, quoi, c'est bon Dieu. Oui, moi, quoi, ou apprenez. Moi, quoi, ou t'es mouru. Et moi, quoi, ressuscité. Oui, moi, quoi, c'est maintenant vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici de retour après ce petit moment de louange et d'adoration. Nous remercions le Seigneur pour cela et nous voulons remercier frère Oda qui est toujours disponible pour collaborer avec nous dans un bel travail. Ça. C'est pour le Seigneur à continuer de bénir frère Oda, que le béni famille, que le béni ministère et surtout le Seigneur a retourné, que le Seigneur a fait Oda grâce pour le capable présent sur la mer de verre avec sa famille, pour nous régner avec bon Dieu, nous, au siècle des siècles. Aujourd'hui, avant de vous proposer le mot de Dieu, qui témoigne, dis-nous que, amis qui t'a aimé poser question, nous capables de faire ça, sur page Facebook, là, si vous avez des questions pour nous, si vous avez des décisions que vous avez prendre pour le Seigneur, vous capables de poser question, capables de prendre des décisions sur page là, et nous-mêmes, dans la prochaine émission, nous apporter toutes réponses pour vous, des réponses bibliques, des réponses christocentriques, pour nous édifier à la gloire de Dieu. Notre thème général, Jésus sauve aujourd'hui, mais dans le message de ce jour, nous allons vous proposer un autre titre.
de la mort à la vie. En fait, nous sommes venus vous dire que Jésus peut nous sauver de la haine et de la jalousie. Pour que nous soyons capables de proposer au message, bon Dieu, je dis, hein, je voulais soumettre à réflexion un texte que nous avons lu dans 1 Jean 3, versets 11 à 19. Prends Bibou, prends téléphone intelligent, mais peu importe le support qu'on gagne, hein, l'ouvre-le et on nous lit ensemble dans 1 Jean 3, versets 11 à 19. Le texte se lit ainsi. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Parole du Seigneur. Voilà un texte merveilleux, le texte de 1 Jean 3, versets 11 à 19. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, dans ce texte, dans cette lettre, en fait, l'apôtre Jean livre fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. L'apôtre inspiré prend son temps pour présenter certaines caractéristiques des enfants de Dieu. Lorsque c'est petit bon Dieu, bon Jean Pouillet. Lorsque c'est petit bon Dieu, bon comportement pour adopter. Il y a des obligations que bon Dieu fait à tout le monde qui fait partie de la Sainte Famille Céleste. Et l'apôtre Jean, au chapitre 2, souligne quelques-unes des caractéristiques des enfants de Dieu. Il nous dit au verset 3, le chapitre 3, 1 Jean 3, au verset 3, l'apôtre Jean nous dit que les enfants de Dieu se purifient parce que Dieu, leur Père, est pur. Arrivé plus loin, il nous dit que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Au verset 6, l'apôtre présente les enfants de Dieu comme des hommes et des femmes qui pratiquent la justice. Mais arrivé au verset 2, il ajoute une autre caractéristique et l'apôtre Jean fait une déclaration fracassante. Laissez-moi lire pour vous 1 Jean 3, verset 10, où l'apôtre nous dit ceci. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, verset 10. Ainsi, mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, sœurs et frères bien-aimés, vous admettrez avec moi, c'est la Bible qui le dit, que l'amour est l'une des caractéristiques qui fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oui, dans ce passage, dans ces textes, l'apôtre nous présente non seulement les caractéristiques des enfants de Dieu, il nous montre que l'amour fait partie de la vie, du comportement des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Mais au verset 11 à 19, l'apôtre Jean prend son temps pour nous présenter le vrai amour, les dimensions de l'amour que nous avons, que nous devons avoir dans nos cœurs pour nos frères et sœurs. Il commence au verset 11 pour nous dire que l'amour que nous devons avoir pour nos frères et sœurs, l'amour que les enfants de Dieu portent dans leur cœur est une obligation. Cet amour est un devoir, car il nous dit ceci
dans 1 Jean 3 au verset 11, en effet, le message qui vous avait été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, membres de la Sainte Famille Céleste, amis de la Fédération Centrale, l'amour fait partie intégrante du christianisme. Dès le début de cette religion, le christianisme s'est présenté comme une religion d'amour. Et cet amour que nous devons avoir dans nos cœurs, n'est pas une option, n'est pas un bagage qui est occasionnel, c'est un commandement. Dieu demande aux chrétiens et chrétiennes, Dieu demande à chacun de nous d'ouvrir nos cœurs et d'apprendre à aimer. L'amour fraternel est une obligation, un must. L'amour fraternel est un devoir. Il ne dépend pas de notre humeur. Qu'on de bonne ou de mauvaise humeur, tu dois continuer à aimer car c'est un commandement. L'amour fraternel, l'amour du chrétien est spontané. C'est un amour constant, inconditionnel, sans préjugés, sans discrimination. L'amour fraternel, l'amour du chrétien ne fait exception de personne. Lorsque chrétien, lorsque baptisant Jésus, lorsque candidat pour le ciel, on remet tout le monde même genre. C'est une obligation sans préjugés, sans discrimination. Mais en plus de cela, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, pour celui qui prétend être chrétien, l'amour fraternel n'est pas seulement un devoir à remplir, mais c'est aussi une preuve de sa nouvelle naissance. Oui, le Seigneur nous invite ici à ne pas ressembler à Caïn. Le Seigneur nous invite ici à ne pas suivre le mauvais comportement de Caïn. La Bible nous présente Caïn comme un homme qui apparemment adorait Dieu. Il avait même offert un sacrifice à Dieu, mais cependant, il était hypocrite. Cependant, le meurtre qu'il a commis sur son frère nous montre que Caïn était un enfant du diable. Amis dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les enfants du diable manifestent toujours leur manque d'amour envers les autres. Et ils ont trois manières différentes pour manifester leur manque d'amour. Les enfants du diable, ils ont une jalousie dans le cœur. Ils ont envieux de s'en gagner, de s'en yer, de s'en posséder. Dès pour commencer à gagner jalousie dans le cœur, contre frère, contre sœur, tu commences à faire partie des enfants du diable, malheureusement. Les enfants du diable manifestent leur manque d'amour par la haine qu'ils portent dans leur cœur envers les autres. Et ils deviennent meurtriers. Bon Dieu, vous avez une dit au matin, hein? Papa, vous venez toujours dire que les enfants de Dieu, ceux et celles qui sont nés de nouveau, monde qui vrai chrétien, pas parler de chrétien, m'a parlé de chrétien, monde qui chrétien, ils ont manifesté l'amour envers tout le monde. Ils auraient aimé même monde qui pas mérité ça, parce que l'amour du chrétien, l'amour fraternel est un commandement, c'est une obligation. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. C'est pas en option, c'est pas un bagage qui occasionnel, mais l'amour que nous avons pour l'autre doit être permanent, constant en tout temps et en toutes circonstances. L'apôtre Jean continue et nous donne une deuxième dimension de l'amour fraternel, l'amour que nous devons avoir dans nos cœurs pour l'autre. Et l'apôtre nous dit que l'amour fraternel prouve éloquemment que nous sommes passés de la mort à la vie. Quand nous avons de l'amour dans nos cœurs, nous prouvons que nous sommes passés de la mort à la vie. En effet, l'apôtre continue pour dire, toujours dans le même texte, dans 1 Jean chapitre 3, après avoir présenté le mauvais comportement de Caïn, après avoir dénoncé l'attitude méchante, meurtrière de Caïn, l'apôtre continue pour nous montrer cette dimension importante dans l'amour quand il nous dit au verset 13, « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la vie à la mort parce que nous aimons les frères et sœurs. » Mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, l'amour fraternel, l'amour sincère est une preuve de notre conversion. Quand nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous abandonnons la haine. Nous ouvrons nos cœurs
pour aimer. Comme le cantique inspiré le dit, et c'est même une prière, chasse la haine par l'amour et la mort par la vie. Ça veut dire le contraire, l'inverse est vrai. Si on membre l'église, on frère acteur, on dirigeant, si ou même captain de là, ou manque l'amour, si dans le cœur il y a pile jalousie, sous envieux de sort moun, de succès moun, de réussite moun, sous gain haine dans le cœur contre moun qui bon côté, eh bien, spirituellement, ou son moun qui mourit. Ou mourir spirituellement, l'on pas qu'à gagner l'amour dans le cœur. Une personne qui est caractérisée par la haine, une personne qui a de la jalousie dans son cœur, une personne qui est envieux, eh bien, en aucun cas, moun sa pour que j'aime expérimenter la nouvelle naissance. Car quand nous aimons, nous prouvons que nous sommes des enfants de Dieu, nous prouvons que nous sommes convertis, nous prouvons qu'il y a un changement qui s'est opéré dans nos vies. Sœurs et frères, amis dans le Seigneur, il est clair. Pas une discussion sur ça. C'est la Bible qui dit, l'amour est l'indice infaillible qui permet de discerner si quelqu'un est réellement né de nouveau ou s'il est toujours dans les ténèbres de la mort spirituelle. Apôtre Jean clair sur ça. Bible sans équivoque sous question ça. Quand tu as de l'amour dans ton cœur, quand tu aimes de manière inconditionnelle, quand tu aimes sans préjugé, sans discrimination, c'est la preuve que Jésus a transformé ta vie. C'est la preuve que tu es né de nouveau. Mais quand moi avant, n'a persisté dans jalousie, dans envie, dans haine, quand nous sommes rancuniers, nous montrer tout que nous pouvons convertir. Peu importe le nombre d'années qu'on a l'église, aurait été gros gens comme devant. Nous aurait été gros gens comme devant, car quand il y a de l'amour dans le cœur, l'amour combat la haine. Quand il y a l'amour dans le cœur, nous prenons plaisir à pardonner. Quand il y a de l'amour dans notre vie, nous oublions les affronts qui nous ont été faits et nous continuons à avancer avec l'autre, la main dans la main. Et c'est justement pourquoi Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ce stade de la présentation, j'ai une question pour chacun de nous. J'ai une question pour vous, amis, vous qui nous recevez chez vous. Est-ce qu'on suit ou ses disciples Jésus? Est-ce qu'on croit ou ses disciples Jésus? Car les disciples de Jésus aiment de manière inconditionnelle. Les disciples de Jésus se laissent transformer par leur Seigneur. Ils se laissent transformer par leur Sauveur. Ils ne sont plus rancuniers, ils ouvrent leur cœur pour y aurait même monde qui pas mérité ça. Donc la deuxième dimension de l'amour fraternel, de l'amour chrétien, c'est que l'amour fraternel prouve éloquemment que nous sommes passés de la mort à la vie. Ou qu'on remet, ou c'est monde qui convertit, ou qu'on haine dans le cœur, ou dans ténèbres, ou spirituellement mort. Est-ce qu'on c'est disciple Jésus? Est-ce qu'on croit ou c'est disciple Jésus? Bon, réponse pour bail. Gon décision pour prendre, gon action pour faire. Justement, en parlant d'action, nous sommes arrivés à la troisième dimension que l'apôtre Jean présente de l'amour chrétien, de l'amour fraternel. Et il nous dit que, il nous montre que l'amour chrétien n'est pas uniquement parole, mais action. L'amour chrétien n'est pas uniquement parole, mais action. Quand il nous dit, nous sommes encore dans 1 Jean 3, quand il nous dit de ne pas aimer uniquement en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. 1 Jean 3, verset 18. L'amour du chrétien n'est pas uniquement parole, mais action. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, nous devons tous reconnaître que les actes parle plus fort que les mots. Je reprends cette pensée car je crois qu'elle est profonde. Les actes parlent plus fort que les mots. Amis dans le Seigneur, frères et sœurs, bien-aimés, candidats pour le ciel, la Bible nous montre que Jésus nous a tellement aimés. L'amour de Jésus est tellement fort pour chacun de nous que Jésus a donné sa vie pour nous parce qu'il nous aime. Par amour, il a donné sa vie pour nous. Action. Il a passé à l'action. C'est pour cela que Jésus nous invite également à ne pas aimer uniquement avec la bouche, avec la parole, mais il nous invite à passer à l'action. L'apôtre Jean nous dit dans ses textes que nous autres également, nous devons être prêts à mourir pour nos frères et sœurs,
parce que nous les aimons, car l'amour est don de soi. Et il continue pour dire, peut-être que au pape j'ai une occasion pour mourir pour un frère, au capable j'ai une occasion pour mourir pour un sœur, mais apôtre Jean allait pour le dire nous, il continue pour le dire nous que parce que nous aimons, nous pas doué insensible à besoin frère nous cap souffrir. Nous pas doué insensible à besoin monde bon côté nous qui dans pauvreté et qui dans difficulté, qui dans misère quand on aime. On donne, car l'amour est don de soi. Ou même qui remet, pas fait mes yeux sous besoin, monde qui boit côté. Frères et sœurs de l'église, dirigeants et dirigés, dans un quartier côtoyé, ouvrez yeux sous besoin, monde qui en difficulté, monde qui a souffert. Voilà pourquoi, mais applaudis l'élan de solidarité, ça que t'as fait avec monde qui est victime dans le sud. Par amour, nous volons à leur secours. Par amour, nous apportons tout ce que nous avons pour les aider à sourire, pour les aider à continuer à vivre, à rester debout. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on est sensible aux besoins de l'autre. Ou pas qu'a dit ou remè moun nan, et puis souffrance y pa di wanyen, misèl pa di wanyen, ou fait un coup pa wè, ou prend pause ou pas tendé. C'est pas de l'amour, parce que quand on aime, on est généreux. Et quand on aime, on devient solidaire. Quand on aime, on prend plaisir à soutenir l'autre, à aider l'autre, afin qu'il puisse réussir sa vie, afin que l'autre puisse avoir un mieux-être. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, dimension l'amour, ça est important pour l'Église et pour notre communauté. Si moins avant, nous t'es pi aimant, t'as bien moins souffrance dans l'église, t'as bien moins misère, t'as bien moins pauvreté. Si moins avant, nous t'es pi aimant, communauté nous, Haïti, t'as bien en mieux-être, en certain bien-être pour les déshérités, pour les orphelins, pour les veuves, pour ceux qui souffrent. En tout cas, c'est ça, bon Dieu, vous m'avez dit au matin. Par aimer en parole seulement. C'est message ça, bon Dieu, voyez pour aujourd'hui. Leur aimer, par amour pour l'autre, par amour pour Dieu, il faut passer à l'action. Garde au monde qui a souffert, garde au monde qui est en difficulté, partage ton pain avec celui qui a faim, tends la main avec ceux et celles qui sont dans le besoin, parce que vous devez savoir que chaque temps nous aider au monde, chaque temps nous soutenir au monde qui est en difficulté, c'est Jésus qui nous aide. Et c'est ça même que Seigneur a te dit, nous sommes en prison, ou pas de visiter, nous sommes grand goût, ou pas de bon manger, nous sommes tout nu, ou pas de bon rade pour me mettre sous moi. Et nous allons répondre à l'accusation pour nous dire, mais Seigneur, qui l'a été en prison, pas de visiter, qui l'a été grand goût, pas de bon manger, qui l'a été tout nu, pas de mettre sous vous. Et Seigneur va répondre pour te dire, chaque temps, pas de faire ça avec un monde qui boit côté, c'est moi ou pas de faire. Mais chaque temps, aider. On monte qui bokoto par amour, pas pour montrer ou puis gagner, pas pour montrer ou c'est boss, pas pour faire intéressant, pas pour mépriser l'autre là, mais parce qu'on remet, ou aider le sourire, ou aider le vivre plus bien, ou aider l'avancer, ou aider le réussir. Quand nous agirons ainsi envers les autres, c'est pour Jésus nous fait ça et il nous bénira. Remarquez, tandis que je termine la présentation, Bible n'a pas dit. Que c'est là nous gagne gros caille, gros temple, gros édifice que nous avons des bons disciples, des bons chrétiens. Bible a pas dit c'est quand nous gagne bel costume, c'est là nous gagne pile l'argent, c'est là nous prêcher bonne doctrine que n'a bon disciple. Mais Seigneur a clair pour le dire que nous serons des disciples. Les autres verront que nous serons les disciples des chrétiens quand nous avons de l'amour les uns pour les autres. Aimons comme Jésus nous a aimés. C'est notre trésor ici-bas. C'est ça, apôtre Jean voyait me dire au matin. C'est ça, bon Dieu voyait pour aujourd'hui. Il voyait me dire que l'amour fraternel est une obligation. C'est un devoir. Nous devons aimer comme Jésus nous a aimés. L'amour fraternel prouve éloquemment que nous sommes passés de la mort à la vie. En nous pas aimer en parole seulement, mais en action. Je vous dis, cherchons le monde pour aider. Cherchons monde pour soutenir, cherchons monde pour accompagner, aidons monde réussir, aidons monde vivre plus bien, aidons monde rester debout, le peu qu'on gagne, partager avec on l'autre, les bon Dieu ouais ça, il va bénir nous plus, il va avoir davantage, il va rélo chrétien, il va rélo disciple et le tourner
ou va gagner la vie éternelle, ou va régner avec lui au siècle des siècles. T'as rien mais prier pour tandis que ma fini présentation ou même qui pas carrément parce que au fort souffrir trop ou même qui ont rancune dans cœur ou pas qu'à pardonner parce que affronté Dieu plaire encore béante l'hypoco cicatrisé ou même qui subit un affront de un dirigeant de un famille de 11 amis où tu fais confiance ou même qui senti jodiant c'est revanche pour ta fait ou pour qu'on ait cœur pour ta pardonner ou pas senti carrément encore parce que ou subi on revers de la vie qui t'aime prier pour vous parce que Jésus a aidé vous pour retirer rancune pour retirer haine pour retirer jalousie dans cœur Jésus a appris nous aimer zanmim plus ou remet plus ou béni plus ou remet plus soit vive puis bien ou même qui t'a remet ou recommencer vivre tant que papa tant que seigneur là pour pardonner pour soutenir moun pour aider moun pour remet même si moun n'a pas mérité ça t'a remet prier pour dans moment ça ou même tout qui t'a voulu goûter de l'amour de Dieu même si personne pas remet sur la terre papa voulait me dire que Jésus remet on tel que tu es l'a toujours aimé on sou t'a voulu expérimenter l'amour de Dieu. Sou t'a voulu faire route là avec bon Dieu ou remettre dans main Jésus parce que le remet on. Sou t'a voulu ouvrir cœur pour ben Jésus première place là, meilleure place là. T'a remet prier pour tout pour que jodi an ou faire la paix avec Jésus, pour faire l'expérience la belle expérience de l'amour fraternel pour non mon capable béni à la gloire de Dieu. Ou ka fait mes yeux kounyan. Ou capable baisser tête tout. Ou bien pour attitude de prière et en nom de Seigneur pour le retirer haine que nous pour le retirer jalousie pour l'apprendre nous remet pour nous vivre plus bien pour nous recevoir la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de ce que aujourd'hui encore tu nous as visité et tu as parlé à nos cœurs. Nous vivons dans un monde de haine, dans un monde de méchanceté, même parmi les frères. Nous subissons des abus. Même parmi les chrétiens, il y a rancune, il y a méchanceté, il y a jalousie, il y a haine. Mais tu veux que les enfants de Dieu, tu veux que ton peuple vive dans l'amour. En pile dans nous souffrir à cause de méchanceté des uns et des autres. En pile dans nous déçus. En pile dans nous frustrés parce que y a l'autre qui t'est méprisé nous. Y a l'autre qui pas comprendre nous alors que nous t'es compter sous lit matin jeudi nous m'a d'autant pris passer visiter nous retirer toute haine retirer toute rancune retirer toute jalousie dans que nous ces outils satan yoyé aider nous pour nous craser yo pour nous jeter au loin de nous jeudi transformer nous jeudi toucher nous chaque fait de nous de nouvelles créatures à apprendre nous remet de manière spontanée de manière inconditionnelle. Apprendre nous aimer, même monde qui t'a fait nous souffrir, même monde qui t'a fait nous crier, même monde qui t'est méchant envers nous. C'est la beauté de l'amour fraternel, c'est la beauté de l'amour chrétien quand nous prenons du temps pour aimer même ceux et celles qui ne méritent pas notre amour, qui ne méritent pas notre pardon. Mais quand nous agissons ainsi, nous démontrons que nous sommes passés par la nouvelle naissance. Quand nous apprenons à aimer, nous démontrons que nous sommes de nouvelles créatures. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis ton église, bénis ce pays dans lequel il y a tellement de haine, tellement de méchanceté. Touche les cœurs, convertis chaque haïtien et haïtienne et donne-nous d'apprendre à pardonner, d'apprendre à soutenir l'autre. Aidez-nous pour nous tendre main à l'autre qui n'a besoin, qui n'a nécessité, pour nous grandir ensemble. Et à ceci, tous connaîtront que nous sommes tes enfants, que nous sommes tes serviteurs, que nous sommes tes disciples, quand nous aurons de l'amour les uns pour les autres. Bénis tous ceux et toutes celles qui reçoivent cette émission. Bénis la Fédération Centrale. Bénis ton Église en Haïti, à l'étranger. Permets
qu'elle reste une église aimante, pour qu'elle devienne une église puissante. Et ainsi, cette église continuera sa mission. Elle réussira quand elle sera une église aimante. Et au matin de l'éternité, elle sera prête à te rencontrer. Écoute notre prière. Exauce-nous. Pardonne nos fautes et bénis-nous. Donne-nous de vivre dans l'amour, afin que nous restions puissants, afin que nous puissions témoigner pour toi. Et quand tu reviendras, nous serons parmi les rachetés qui te verront et qui régneront avec toi au siècle des siècles. Entends, pardonne, exauce et bénis ton peuple. Nous t'en supplions ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne maintenant et au siècle des siècles. Amen. N'oubliez pas, chers et frères, chers amis, qu'on est capable de poser questions sous page là et dans la prochaine émission, n'a pas répondre toutes questions. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse.